une date marquée à jamais dans l'esprit de Gérard Jugnot. Le 2 décembre 1980, l'acteur français de 72 ans est devenu père pour la première et unique fois. Des décennies plus tard, son fils Arthur s'est inscrit dans sa lignée professionnelle en faisant carrière au théâtre. D'ailleurs, le papa et son enfant se sont retrouvés ces derniers mois au théâtre, à Paris, avec la pièce Le jour du kiwi. Cette collaboration sur les planches a permis à Arthur et Gérard Jugnot de partager du temps ensemble, mais également d'apprendre l'un sur l'autre, tant leur relation n'a pas toujours été simple. Le père s'exprimera à ce sujet sur le plateau d'En Aparté, sur Canal+, ce mardi 14 novembre, dans un extrait exclusif dévoilé par Gala. FR. Durant la promotion de leur pièce de théâtre commune, Arthur Jugnot et son papa ont été invités à parler d'eux. Si est-il à ce moment-là que Gérard Jugnot a compris certaines choses par médias interposés. Je l'ai entendu parler de sa vie, de sa jeunesse et j'ai découvert des tas de choses que j'ignorais ou qu'il ne m'avait pas dit parce qu'on est beaucoup dans la pudeur, confiera-t-il, avec émotion, à Nathalie Lévy dans En Aparté. Pour autant, l'ancien membre de la troupe du Splendide tient à garder une certaine distance avec son fils. Les enfants ont des vies qui leur appartiennent, ça ne me regarde pas sa vie intime, déclarera-t-il sur Canal+, ce mardi 14 novembre. Quelle relation entre Gérard Jugnot et son fils Arthur. Père et fils ont mis du temps à collaborer ensemble au théâtre. La raison avait été expliquée par Gérard Jugnot sur Canal+, en décembre 2022, j'ai attendu quand même que lui puisse avoir une vraie légitimité car, dans le théâtre il a fait beaucoup de choses. Il dirige 3 ou 4 théâtres. Il met en scène. Il déborde d'activité. Le cap franchi, Arthur Jugnot ne s'est pas pour autant rapproché de son père. On ne se voit pas plus en dehors, mais échangeons un peu avant les représentations, avait ainsi déclaré Gérard Jugnot dans Paris Match, ajoutant qu'ils étaient tous les deux très occupés. Reste que l'acteur de 72 ans et son fils né de sa relation avec Cécile Magnan partiront côte à côte en tournée, avec leur pièce, en 2024. L'occasion peut-être de se créer des souvenirs et amplifier leurs liens. L'émission En Aparté, présentée par Nathalie Lévy et avec Gérard Jugnot comme invité, sera diffusée ce mardi 14 novembre dès 20h30, sur Canal+. Crédit photo, capture d'écran Canal+.